ça fait partie des vœux, la réouverture ou surtout l'aménagement de la Garonne. Parce que la Garonne a toujours été un endroit où il y a eu une activité de la batellerie. Réaménager, ça veut dire confort électrique, confort eau, eau évacuation et eau approvisionnement. Hein. Et puis ensuite, des points d'amarrage, entre guillemets, sécurisés, de telle façon que les bateaux puissent rester sans danger pour eux pendant la nuit. Ensuite, les autres points, bien sûr, les canaux, bon, canal du Midi en premier, hein, patrimoine mondial de l'humanité. C'est vrai que le souhait, ça serait qu'on puisse y naviguer toute l'année. Et on rentre dans une ère où on parle environnement. Et c'est vrai que, quand on regarde un tout petit peu autour de nous, ça serait bien que le canal du Midi soit nettoyé régulièrement. Faut pas oublier qu'on a un bateau à notre disposition, qui a été investi par la mairie, qui est souvent en panne. Donc c'est vrai qu'en premier, qu'on le fasse travailler. C'est aussi l'aménagement de certains points pour que aussi bien le bateau de location, que le bateau comme le nôtre, un restaurant, que le bateau hôtel, qui passe à un endroit comme Toulouse et à un endroit pour faire remplir ses cuves d'eau et évacuer ses déchets, donc une liaison en tout à l'égout, de telle façon que l'économie qui est générée par le canal du Midi, par les voies d'eau, eh bien, ne soit pas une économie qui salisse, hein, mais une économie qui soit relativement propre, à la limite du possible.